c'est avec le don qu'il m'a donné Dieu avec les animaux, et je peux vous dire que j'en suis fier et je suis l'homme le plus heureux, et je remercie Dieu tous les matins pour la complicité qu'il a pu me donner avec les animaux. J'ai la plus belle richesse qui existe, c'est la complicité avec les animaux. Tu peux être mal, tu peux être pas bien, il suffit que tu restes avec, je reste avec mes animaux, j'oublie tout. J'oublie tout, mes snappers et snappers. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que je peux vous dire, moi, je peux regarder un oiseau comme ça pendant 5 heures. Pour vous, ça va vous apparaître. Peut-être ça va vous dire, putain, mais purée, mais c'est long, il a regardé un oiseau pendant 5 heures. Mais je vais vous dire la vérité, moi, c'est comme si je le regardais pendant 5 minutes. Voilà, c'est une passion, je remercie Dieu, et voilà, je peux, tout simplement, c'est oiseau Tyson, hein, point barre. Hein. Et on dit quoi pour ça? Eh, merci, donc, gros bisous, et je vais vous mettre les anciennes vidéos, comment il était le chat avec le petit oiseau, regarde. Quand moi je te donne, hein. Ouais, tu peux faire mieux, hein. Tiens. Ah, merde, elle est tombée. Tiens, mon fils. Mange tout, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça fait charba, brique, viande hachée, frites, harissa, pain, sel, tate, coca, cuillère, verre plein, verre vide. Et on dit quoi pour tout ça? Eh merci. Sahaftour comme à vous tous, qui veut dire bon appétit à tous. Vous êtes tous là? Allez. Allez Payette, lève-toi. Eh oui, je t'ai dit arrête de manger du McDonald's. C'est pas avec moi qu'il faut faire le voyou. C'est sur le terrain. Possible, c'est vraiment des chèvres. Ah oui, les joueurs de l'OM. Tous ensemble, vous êtes là. Allez, venez. Allez, viens. Les joueurs. Allez, doucement. Voilà, les joueurs de l'OM. Les joueurs. C'est pas possible. Les joueurs de l'OM. Allez. Allez, Germain, rentre. Les joueurs, allez. À vous, Paganelli. Ben voilà, comme je vous dis ce soir, après la défaite de l'OM, voilà, nous aperçons un joueur de l'Olympique de Marseille qui rentre au vestiaire tête basse. À vous, Paganelli. Aperçoit un deuxième joueur qui rentre tête basse. Lui aussi ne peut pas prendre la parole. Donc, chose qui est normale après une défaite 3-0 contre l'Olympique lyonnais. Aperçoit un deuxième joueur.